Salut. Il y en a un, il est en retard, mais pas que de 5 minutes, hein. De un mois. Désolé. Je sais que vous êtes actuellement en train de vous poser beaucoup de questions dues à mon absence sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. J'ai une réponse qui devrait être recevable. Enfin, j'espère. Je suis pas marié. Oui. Mais par contre, je suis fiancé. Et normalement, cet été, affaire classée. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Bref, maintenant vous savez, je vais pas épiloguer sur le sujet. Les personnes qui me suivent sur Instagram, TikTok le savent depuis un moment. Malheureusement, YouTube, je suis un peu en retard. Mais l'essentiel, c'est que je suis de retour pour vous raconter quelques histoires, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment et tout. Parce qu'il s'en est passé des choses. Hein. Let's go! Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Morgan Makeup et Tess Ferrez. La fille et la mère. Eh, je vous ai dit, ça a dépassé des choses. Hein. Bizarrement, tous les personnages que j'ai déjà parlé sur ma chaîne sont tous reliés. Qui aurait pu croire de voir ce duo Tess Ferrez et Morgan Makeup sur vos écrans? Eh ben, c'est aujourd'hui. Yeah. Mais déjà, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de Morgan Makeup. Bon, on sait très bien qui c'est, etc. Mais en ce moment, elle fait grave des showcases. Mais genre, vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une artiste. Je sais, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est bon, il est parti un mois, il revient avec les idées de travers. Je vous jure, c'est vrai, elle fait des showcases. Déjà, je suis choqué et elle a un public. Hein. Morgan était en folie hier soir. Mais elle a pas qu'un public, c'est qu'elle se lâche, genre dans sa tête, c'est Beyoncé. J'en ai vu des choses. Alors des choses comme ça, je suis actuellement encore choqué. Et ce qui me tue, c'est qu'elle est rémunérée pour faire ça. C'est dingue. Comme quoi, aujourd'hui, tout est un métier. Après, si vous pensez que c'est vraiment qu'une blague et tout, non, elle partage ses flyers et tout sur les réseaux sociaux. Hein. Je vais vous annoncer deux choses choquantes par rapport à elle. Déjà, elle a un producteur. Elle a un producteur. Dire qu'il y en a qui chantent super bien, ils ont pas de producteur, elle, elle en a un. Excuse-nous. En plus de ça, elle a failli le pécho. Ça y est, tu t'es vidé? Oula, j'ai cru. Ah, non, non. Hein?
attends. J'ai cru qu'il allait faire un truc là. Mais le pire, c'est qu'il y a des backstage, etc. Genre de son producteur, de son beatmaker, etc. Elle a des studios, elle fait des showcases. Et il y a encore des artistes qui arrivent pas à avoir la même vie. Mais bougez-vous. Il y a des backstage. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner une série documentaire Netflix sur les scènes de Morgan Makeup, comme il y a pu avoir sur Angèle, Big Flo et Oli, sur Taylor Swift. Morgan Makeup nous a sorti la robe pour le concert de ce soir. En attendant son showcase de ce soir. C'est parti, je crois qu'il nous attend là, avec le producteur. Bonjour Morgane. C'est quoi la baisse, alhamdoulilah. T'es bien habillé, hein? Pourquoi t'es stressé comme ça là? C'est ce que j'ai pas fini de préparer. Elle est belle ta robe, hein? Tu veux qu'on descende, comtesse? Mais ils viennent à quelle heure te récupérer? À 1h30, ça va, t'as le temps. Voilà. C'est cool, c'est cool. Tu fais quoi? Tu te maquilles, là? Bah ouais. Je m'installe ici. Vas-y. Merci. Toute seule dans son... Assieds-toi, frérot, hein. Vas-y, frérot, assieds-toi. Assieds-toi, frérot. Assieds-toi, frérot. Du quoi, l'ancien? Alors, je vais vous dire, la boîte, elle est vachement grande. Mais oui. Il y a combien de personnes? Il y a des cages. Il y a des cages, tu veux nous attacher ou quoi? Il y a combien de personnes? Je suis actuellement choqué que le métier principal de Morgan Makeup, c'est chanteuse. Elle fait des showcases, elle est rémunérée pour ça. Bon, soit, hein, mais voilà quoi, ça me choque toujours autant. Je vais te dire, je suis youtubeur, je gagne ma vie en parlant sur les gens dans ma chambre. En plus, c'est même pas ma chambre, c'est la chambre de ma sœur. Et puis, un beau jour, on a eu cette vidéo de Tess Ferrez, on sait pas trop pourquoi. La vérité doit éclater. Je suis la fille de Morgan Makeup. Bam. Bon blanc, c'est. Morgan Makeup est ma mère biologique. Elle m'a abandonnée à ma naissance pour se consacrer à sa vie d'artiste, en fait. Pour se consacrer à sa carrière musicale. Si vous me croyez pas, bah... Je suis une professionnelle. Et ça, vous pensez que je tiens ça de qui? Ma mère, Morgan Makeup. Et ouais. Elle m'a abandonnée parce que... Soi-disant, j'étais une débutante, j'étais pas une professionnelle. Sauf que, quand on est, en fait, quand on sort d'un ventre, on peut pas être professionnel directement. On doit apprendre, on doit échouer, on doit avancer pour évoluer. Enfin, c'est tout un processus. Mais non. Morgan Makeup voulait que je sois professionnelle dès ma naissance. Mais c'était pour moi impossible. Et Vava est mon oncle. Au bout d'un moment, il va falloir assumer ses enfants. Je trouve ça... dingue en fait, qu'en 2023 tu abandonnes tes enfants en fait parce qu'ils ne sont pas professionnels. Maintenant je suis professionnelle. Maman, Morgan Makeup, reprends-moi. Et vous savez pas quoi? Morgan Makeup lui a répondu: non, c'est pas ma fille. C'est pas ma fille en tout cas. Mais j'ai répondu au dieu. Mais voilà. Mais là j'ai trop envie, c'est faire du. J'ai envie, c'est faire des vidéos et tout. J'ai trop envie. Oula. J'ai pas de fille. Allô, j'en ai pas. J'ai répondu que j'en avais pas. C'est juste parce que les gens veulent gratter du buzz. Wesh. C'est tout. Alors, Minouche. Donc j'ai mis mascara, lighter, et bien les sketchs en faisant monter des gentilles personnes, c'est top. Donc j'ai monté, j'ai mis le highlighter, non pas highlighter mais le eyeliner et le mascara. Il manque juste les yeux, mais en fait je veux faire un truc... Et toc, Tess Ferrez, que vas-tu faire face à cette attaque? Enfin, cette contre-attaque. Eh bah, une recontre-attaque, par exemple.
Ma porte est balayée, maman. Tu continues à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux? La preuve que vous devez me croire? Ma mère nie les faits en disant « Je ne suis pas ta fille ». Donc tu ne réponds pas, en fait, à mes accusations. En disant « Je ne suis pas ta fille », bah oui, bien sûr, tu n'es pas ma fille, vu que tu es ma mère. Ma porte est balayée, en fait. Ma porte est balayée. Balayée. Bah allez, sors-le, ton livret. Ton livret de famille, j'attends. En tout cas, moi, sur ma carte d'identité, c'est écrit « Tess Makeup ». Étrange. Étrange, maman. Mais enfin, c'est trop... Mais enfin, c'est trop facile de me faire passer pour la menteuse, sérieusement. Il y a écrit mytho sur mon front. Je crois pas, non. Et je le répète, ma porte est balayée. Je la balaye tous les jours. Matin, midi, soir. Balayée, astiquée, ma porte est propre. Mais c'est bien, c'est bien. On voit le vrai visage des gens, y a pas de souci. Tu préfères faire tes showcases en boîte plutôt que assumer ta propre fille. Donc pas de souci. Je retiens, ça reste ici. Ça reste ici, là. Ça reste là. En vrai, c'est très très drôle. Juste, la personne qui l'apprend, genre vraiment premier degré, c'est Morgan Makeup. Elle doit se dire, peut-être il y a moyen, j'ai fait une fille quelque part. Et je m'en rappelle pas. Ce qui me tue, c'est que c'est tellement parti loin pour pas grand-chose au final. Parce qu'il y a jusqu'à des médias qui en ont parlé, genre break et tout. On sait pourquoi Tess se fait passer pour la fille de Morgan Makeup. La TikTokeuse Tess a fait une vidéo où elle affirme être la fille de Morgan Makeup. Morgan Makeup est ma mère biologique. Elle m'a abandonnée à ma naissance. Auquel Momo Makeup a répondu de manière professionnelle en énumérant les 6 points pour lesquels elle n'est pas la daronne de Tess. 1. De base, j'ai pas d'enfant. 2. Je suis pas ta fille. 3. Arrête de raconter des ragots. 4. Va balayer ta porte. 5. J'ai jamais été enceinte. 6. T'es pas fichée sur mon livre de famille. Mais c'est de l'humour, Marie, de l'humour. Mais MDR, il y a des gens qui ont cru à cette mascarade. Évidemment, Tess a répondu et elle a balayé devant sa porte dans une vidéo hilarante. Ma porte est balayée, maman. Mais la question est, pourquoi a-t-elle voulu faire croire qu'elle était la fille de Momo? À en voir les commentaires, on remarque que c'est un sketch pour divertir ses abos et franchement, ça marche. En tout cas, nous, on la trouve excellente. Morgan, c'est sa sœur, c'est sa mère, c'est sa cousine, c'est sa tante. Bref, des dramas au sommet, encore une fois. Abonne-toi. Du coup, je trouve ça assez drôle, comme quoi, avec si peu, on peut faire pas mal de choses. Et c'est pas fini! Parce qu'ils ont fait le même style de TikTok, mais sur le compte de OG cette fois. Et ça a bien marché, parce que sur le compte d'OG, c'était à 400 000 likes, sur le compte de Tess, c'était à 300 000 et quelques. Donc pourquoi arrêter quelque chose qui fonctionne? Bien entendu qu'on va user le concept. Cette vidéo s'adresse à Morgan Makeup. Aka la maman de Tess. Ma mère biologique. Ta mère biologique, oui. Bah en fait, moi, ça fait 7 mois que j'héberge gratuitement Tess parce que elle s'est fait virer de chez sa mère, en fait, Morgan Makeup. Ça commence à faire très longtemps. Elle coûte très cher maintenant parce qu'elle est professionnelle, elle est plus débutante, alors ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel à acheter. Elle est complètement traumatisée. Je suis sa fille. Je trouve ça indignant de pas venir s'occuper de ses enfants en fait. Donc voilà, il faudrait venir la récupérer dans les prochaines semaines parce que moi je peux plus m'en occuper. Carrément traumatisée, jour et nuit, j'astique toutes les portes avec mon balai, enfin c'est vraiment invivable quoi. Je peux plus vivre comme ça en fait. Morgan Makeup est ma mère biologique. Morgan Makeup est ma mère biologique. Mon vrai nom est Tess Makeup. Je suis une professionnelle, je ne suis pas une débutante, tout comme ma mère, Morgan Makeup. Après des fois c'est peut-être un peu trop, voire trop de vidéos, too much. Une minute de silence pour ma mère qui m'a abandonnée.
Et on sait pourquoi elle est une minute. C'est pour la moula, pour ceux qui savaient pas. Jusqu'à, il y a des edits dessus, genre, mais où va le monde? Ma porte est balayée, maman. Tu continues à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux? La preuve que vous devez me croire, ma mère nie les faits en disant « Je ne suis pas ta fille ». Donc tu ne réponds pas, en fait, à mes accusations. En disant « Je ne suis pas ta fille », bah oui, bien sûr, tu n'es pas ma fille, vu que tu es ma mère. Bah allez, sors-le, ton livret. Ton livret de famille, j'attends. En tout cas, moi, sur ma carte d'identité, c'est écrit « Tess Makeup ». Étrange. Étrange, maman. Tu n'es pas dans mon livre de famille. À cause de toi, il y a trop de monde qui dit « Oui, mais tu es... C'est la fille de Tess et tout. Je sais que tu fais ça pour avoir de l'oseille. Juste parce que t'es jalouse, parce que t'as pas beaucoup d'abonnés, que t'es pas une star et que t'es pas une star internationale et que tu fais pas du showcase. J'ai trop de travail pour l'instant pour m'occuper des gens comme toi et je ne suis pas ta fille. Donc, à un moment donné, repose-toi des bonnes questions et va te torcher les fesses derrière. Sauf que quand tu vois un peu la raison derrière, je me dis peut-être que Tess a trouvé quelque chose qui fonctionne et qui pourrait lui faire regagner encore des abonnés qu'elle a perdus. Parce qu'effectivement, elle s'est fait bannir son compte de 1,5 million d'abonnés, qui fait mal, je le comprends. Et quand tu recrées un compte, t'as envie de gagner quand même pas mal d'abonnés. Ça commence à bien faire. Je pense que vous êtes tous au courant pour savoir que mon compte à 1,5 million d'abonnés a sauté. Et vous voulez savoir? Et vous voulez savoir qui est derrière tout ça? Kim Kardashian. Eh oui. Kim Kardashian a tout orchestré. Elle a contacté TikTok et elle a dit « Cette trans, vous la faites sauter. » Kim Kardashian est transphobe, by the way. Kim Kardashian, c'est une amie de longue date, en fait. Donc voilà, on a eu quelques différents... tout ça parce qu'elle avait le seum, parce que j'ai gagné plus d'argent qu'elle. Enfin bref. Anyway. Là n'est pas le sujet de la vidéo. La base de l'histoire, en fait, c'est qu'elle a fait sauter mon compte, en fait, par jalousie. Parce qu'elle avait peur que je la dépasse, en fait. Elle avait peur que je la dépasse en termes de statistiques. Et oui, Kim, bah tu peux pas être la reine du monde. T'avais peur que ce soit moi la reine du monde? J'ai un nouveau compte et je vais te dépasser, en fait. Kim, rends-moi mon... Kim, rends-moi mon compte, tout de suite. Tu connais mes avocats, tu connais les gens avec qui je travaille. Fais très attention à toi, Kim Kardashian. Très attention. Et ouais, tu sais pas de quel bois je me chauffe. Et forcément, tu fais des trucs qui fonctionnent, et ce qui fonctionne, bah actuellement, c'est ça. Donc, forcément, elle va en faire des vidéos. Il y a quand même des gens qui ont cru, genre, premier degré, ils savent pas que Tess Ferrer est 100% dans l'humour. Il y en a qui ont cru 100% comme si Kim Kardashian... Bon, voilà, quoi. Les gens lui ont demandé d'en faire un son. Cette histoire, c'est parti en musique, mais le pire, c'est que le son est bien meilleur que les sons de Morgan Makeup. Balaye ta porte, torche-toi les fesses derrière. Je mets mon nom sur son livret, star à l'international. Clap, clap, je balaye ma porte, je me torche les fesses derrière. Sauf qu'il fallait s'y attendre et il y a des personnes qui ont trouvé ça assez problématique de la part à la fois de J et de Tess Ferrez parce qu'il y a eu une réaction dessus. Franchement, je suis totalement d'accord avec elle et tout, franchement ça se fait pas et tout, mais quand tu vois que Morgan Makeup, elle fait ça... Bon, les mes amours, aujourd'hui chez le fun tank et on va faire le make-up de Yasmine. Yasmine, elle m'a dit, il fera le tutoriel de make-up. Ok, mes chéris. Alors, j'ai commencé les photos, j'ai tout ça, mes amours. Je suis gang. Vous savez, j'ai tellement gang que j'adore faire comme Yasmine. Yasmine, c'est le maquille comme ça. Elle dit, je suis gang. Mais c'est mes amours. En tout cas, j'ai pas dû hier soigner parce que j'ai fait un live et puis Yasmine m'a mis dans la poubelle. Alors moi, je me venge maintenant. Je suis obligée de faire un gang. Donc, ok, gars. Donc là, j'ai fait le make-up, en tout cas, j'ai fait le fond de teint et tout, et c'est gang. Donc voilà. Bah, les reins, en tout cas. Là, en tout cas, j'ai fait le fond de teint, je vais mettre l'anti-cam. Mes amours, je vais mettre, c'est comme c'est gang, ils vont mettre le Tarte numéro 20S, 20S Fence.
de Colin, je mets là Tichin, Cochin, Guillemot. Les gens, ils veulent faire trop malin, mais moi, j'ai pas trop la maligne, les gars. Les gens, ils sont trop dingues, il y en a qui sont pas fâcheux, là. Donc voilà, j'ai mis un Tichin. Et puis, je vais mettre la poudre de Fécacon. En plus, je l'ai fait. En plus, je l'ai fait sans mémoire, donc je suis trop gang. Je suis trop gang. Donc voilà. Et aussi, mes amours, il faut mettre le bronzer et après on fait la bouche, ok? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Oh, les couilles. Bah oui, et le but, c'est pas tout voir, faire montrer. Faut pas tout faire montrer, le but. Le but, faut pas trop faire montrer quand tu fais les transitions de make-up. Faut pas tout faire montrer parce qu'après, les gens, ils voient pas les vidéos. J'ai fait une mascara. Fais le mascara. Comme ça, mes amours. Clac. Ça sert à rien de... On n'entend pas. Et bah, si t'entends pas, tant pis pour toi. Alors, elle m'a dit, fais les grandes bouches. Ouais, je sais, on n'entend pas, et bref, c'est pas grave, je me bats les reins. Les gens veulent faire trop les... Le mec est comme Yasmin. Ça, c'est neuf à moi. Elle va finir, je vais faire comme ça. Je commence en avant. Moi, les gens qui m'appellent en privé. Bah, les couilles, tiens, pof. Pof. Et pof. C'est gang. C'est ça, moi, c'est ça. Voilà. Donc j'ai fait les make-up de Yasmina, mes gangs et mes amours. Moi déjà je t'ai pas raccroché au nez, je suis occupée. Merci. Quoi?
Donc mes gangs, je fais le make-up de Yasmine. Si vous aimez, mettez un pouce et des commentaires. Je vous fais des gros bisous. Et merci mes chéris. Là vous allez me dire, bah elle fait un tuto make-up, juste c'est vrai qu'elle a, elle fait un accent chelou et tout, mais voilà, pas besoin de la cancel pour ça, non? Ok, d'accord, sauf que là c'est pas un simple tuto make-up, et le pire c'est qu'elle l'a sorti là, genre aujourd'hui. C'est tout simplement, elle recopie, enfin elle se fout un peu de la gueule de la façon de parler d'une autre tiktokeuse. Oui, t'as beaucoup de sens, mais... Yasmine, je vais vous dire des trucs, et puis... Parce que j'ai un truc à vous dire, là. Donc en même temps, je me maquille, quand vous voyez. Donc je me maquille. Et je vais vous dire des trucs très clairement. Donc voilà, je voulais savoir. Il y a beaucoup de gens qui me disent Yasmine, gang, gang, dis-nous la vérité sur les trucs, machin, putain. Donc je vais vous dire les trucs, je vais vous dire les termes une fois pour toutes, comme ça vous allez bien être tranquille une bonne fois pour toutes. Parce que ça me gave, j'en fais tous les jours, j'ai mis le truc, oui, faut doser. Donc on va doser. Donc en fait, je voulais savoir vraiment ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc en fait, il y a un truc qu'il faut que je vous dise clairement. Donc je vais vous dire là, tout de suite. Donc le truc, c'est que... Tout le temps, vous me dites, oui, ma soeur... Maman... Alors qu'en fait, c'est pas quand j'ai tout écrit, et quand j'ai écrit, et quand on trouve le truc, toi. Donc en fait, à ce moment-là, ben... C'est carré, quoi, c'est juste une question de... Et puis voilà, c'est juste un truc... Aléatoire, quoi, c'est un peu aléatoire, mais bon... Aléatoire. Donc voilà, c'est vraiment pas ouf de ouf. De ouf. Oufissime. Donc quand tu vois ça, oui, t'as un peu moins de peine pour Morgan Makeup. Et quand tu as regardé toutes mes autres vidéos sur Morgan Makeup, bah t'arrives plus trop à avoir trop de peine pour elle. Même si dans la logique des choses, oui, c'est vrai que voilà quoi. Mais écoute, hein, vu qu'elle se le permet, on peut se le permettre. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Un petit retour, voilà, en vif. Je vais travailler sur d'autres vidéos. Et je ne vais pas vous lâcher. Maintenant, j'ai un peu de temps pour faire mes vidéos. Du coup, je les fais. J'ai pas mal de sujets que j'aimerais traiter sur cette chaîne. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bah, clap to fame.